Si vous voulez bien. Donc, bonjour à tous, soyez les bienvenus à la Maison du Bitcoin. Je m'appelle Manuel Valente, je suis le directeur de cet établissement. Donc, vous êtes ici dans le premier lieu qui est ouvert en Europe continentale, consacré au Bitcoin et aux crypto-monnaies en règle générale. Nous, on est ouvert depuis un peu plus de 2 ans et demi. On a pas mal d'activités qui tournent toutes autour du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près 1 heure et demie pour discuter un peu ensemble sur le Bitcoin, la blockchain, Ethereum, tout ce genre de technologies. Alors la façon dont ça va se dérouler est la suivante. Je vais d'abord prendre à peu près 5 minutes. En 5 minutes, je vais vous faire juste un tout petit panorama de qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, pour moi, qui connais un peu cette technologie. Et ensuite, pendant à peu près 1h30, je prendrai vos questions. Comme vous les envoyez, n'importe dans quel sens. Je demanderai juste à ce que les gens qui ont des questions très techniques, notamment sur tout ce qui est le minage et tout ce genre de choses, de les garder plutôt pour la fin, aux alentours de 13h30, pour se consacrer à des questions très techniques, parce que je ne voudrais vraiment pas qu'on perde beaucoup de gens au passage. Si je me lance dans des explications techniques, ça va rapidement dégénérer. Donc, à la fin de la séance, je vous proposerai 2 choses. La première, ça va être de vous présenter, de vous faire juste une présentation en 5 minutes pour les gens qui souhaiteront encore rester 5 minutes, du Ledger Nano S, qui est le dernier portefeuille de la société Ledger à laquelle nous appartenons. Un portefeuille sécurisé sur une carte à puce sous la forme de quelque chose qui ressemble à une clé USB. Donc si un jour vous voulez acheter des bitcoins, c'est quelque chose qu'on peut vous conseiller pour vraiment stocker vos bitcoins en toute sécurité sur de long terme. Et pour les gens qui le souhaiteront également, j'ai mon collègue qui est là-bas derrière et qui vous proposera de vous échanger, de vous installer une application bitcoin sur votre téléphone mobile et de vous échanger une pièce de 1 euro ou 2 euros contre des bitcoins. Comme ça, vous aurez quelques millièmes de bitcoins à votre disposition et vous pourrez d'ores et déjà commencer à les échanger tranquillement. Voilà. Donc, sans plus de détails, le bitcoin en 5 minutes. Alors, le bitcoin, c'est une monnaie numérique. C'est une monnaie qui a été créée en janvier 2009 sur Internet par des gens qui étaient des passionnés, notamment de cryptographie. Et c'est une monnaie électronique qui possède un certain nombre de caractéristiques qui en font quelque chose d'assez intéressant. Première caractéristique, des transactions rapides. Alors une transaction rapide, ça va être quelques secondes pour faire des transactions, que je sois en train de vous envoyer des fonds alors que vous êtes juste en face de moi ou que vous soyez à l'autre bout de la planète, ça prendra à peu près le même temps, c'est-à-dire à peu près 5 à 6 secondes le temps que ça se propage sur le réseau. C'est assez extraordinaire de voir quand vous avez quelqu'un qui vous envoie des bitcoins et que immédiatement vous voyez apparaître sur votre portefeuille l'équivalent en euros. Des transactions sécurisées. Ça, c'est fondamentalement important parce que, notamment tout ce qui est au niveau de la carte bleue, vous savez qu'on a des énormes problèmes de sécurité avec les cartes bleues. Une transaction en bitcoin, c'est une transaction qui aura obligatoirement une signature cryptographique. Cette signature cryptographique est unique à chaque transaction, est impossible à contrefaire, ce qui fait que si jamais je vous envoyais des bitcoins et que quelqu'un interceptait ma transaction, il ne pourrait rien en faire parce qu'il serait incapable de modifier ni le montant ni le destinataire sans que la signature que j'avais appliquée devienne invalide. D'accord ? Donc ça, c'est absolument important. Même si vous avez quelqu'un qui intercepte votre transaction, il ne pourra pas vous prendre de fonds ou ne pourra pas réutiliser votre adresse. Alors, je vous en prie, vous en avez encore de la place, monsieur. Vous me direz, des monnaies récentes, des moyens de paiement récents qui sont à la fois rapides et sécurisés, il en existe d'autres. Vous avez PayPal, par exemple, qui permet de faire des transferts relativement sécurisés, relativement rapides, même si ça pose quelquefois quelques problèmes à des gens que je connais. Alors, quel est vraiment l'intérêt du Bitcoin par rapport à tous ces autres moyens de paiement ? Bien, le Bitcoin a une caractéristique unique. Et si aujourd'hui, vous ne retenez qu'une seule chose de ce que je vais vous dire, essayez de retenir ceci. Le Bitcoin, sa caractéristique principale et fondamentale, c'est quelque chose de totalement décentralisé. Décentralisé, ça signifie que le Bitcoin, ça n'appartient ni à une entreprise, ni à un État, ni à une quelconque association, groupement de personnes, individus ou qui que ce soit. D'accord ? Vraiment quelque chose de décentralisé, ça n'appartient à personne. Personne ne peut en décider de modifier le fonctionnement ou le nombre de bitcoins existants.
Alors, ça peut être relativement complexe à imaginer qu'on puisse faire confiance ou qu'on puisse même utiliser quelque chose qui a un fonctionnement totalement décentralisé et que dont personne n'est fondamentalement responsable. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, on utilise déjà des technologies qui sont complètement décentralisées tous les jours. Exemple, l'email. L'email, de la même façon que le Bitcoin, c'est quelque chose qui n'appartient pas à une entreprise au plan mondial, même si vous avez des gros acteurs mondiaux, Google, Facebook ou autres. L'email en lui-même n'appartient pas à une entreprise, n'est pas contrôlé par un État, n'est pas contrôlé par une association quelconque. C'est une technologie qui est complètement décentralisée. À partir du moment où vous avez une machine que vous avez installée sur Internet qui respecte le protocole de communication de l'email, vous pouvez échanger des emails avec n'importe qui. Eh bien, le Bitcoin, c'est le même fonctionnement. À partir du moment où vous installez une application qui est capable de gérer les bitcoins et qui respecte le protocole de fonctionnement bitcoin, vous êtes capable d'interagir avec tous les autres utilisateurs qui utilisent le bitcoin. Alors le fait que le bitcoin soit complètement décentralisé, ça implique un certain nombre d'autres caractéristiques. La première caractéristique, c'est que l'ensemble du code informatique du bitcoin, c'est quelque chose qui est dit open source. Donc je pense qu'il y a des gens qui savent ce à quoi je fais référence dans la salle. Open source, ça veut dire que n'importe qui a le droit d'aller lire le contenu du code informatique qui gère le Bitcoin. Ça, c'est quelque chose qui va nous apporter, par exemple, de la confiance. Je serai certain que jamais personne, notamment le créateur du Bitcoin, n'a mis une backdoor qui lui permettrait de récupérer les Bitcoins qui seraient stockés sur un compte, le mien ou quelqu'un d'autre. Je pourrais faire confiance au fait qu'il n'y a pas un virus qui va s'installer sur mon ordinateur lorsque je vais installer un client Bitcoin. Je peux faire confiance que j'ai une transparence complète dans l'utilisation du protocole au moment où je vais l'installer sur ma machine. De fait, la plupart des applications dans le monde du Bitcoin, elles aussi, vont être complètement open source. C'est-à-dire quelque chose d'ouvert, quelque chose que n'importe qui va pouvoir consulter et quelque chose que même des gens vont pouvoir éventuellement modifier. Transparence également dans le réseau lui-même. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une base de données mondiale sur laquelle il y a enregistré l'intégralité de toutes les transactions Bitcoin qui ont eu lieu depuis le début de la création de cette monnaie. C'est-à-dire depuis début janvier 2009, toutes les transactions sont enregistrées dans une base de données. Cette base de données, on l'appelle la blockchain. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler. Et donc une blockchain, c'est ça, c'est une base de données qui contient des informations et qui a quelques caractéristiques assez innovantes, notamment le fait que tout ce que vous écrivez dans une blockchain ne peut plus jamais être supprimé. Alors bien entendu, ça a des applications intéressantes au niveau du Bitcoin, ça aura bien entendu d'autres applications, notamment le monde corporate commence à s'intéresser énormément à cette technologie parce que à cause justement de cette fonctionnalité d'avoir une base de données qu'on ne peut plus modifier à partir du moment où on a écrit une donnée à l'intérieur. Donc, une monnaie décentralisée, une monnaie rapide, sécurisée, qui va nous permettre de faire tout un tas d'échanges assez tranquillement et assez rapidement. Tout ça, c'est des caractéristiques techniques. Donc, il y a une dernière caractéristique dont je dois vous parler, qui est intéressante au niveau du Bitcoin, et qui là est une caractéristique financière. Le fait est que le nombre total de Bitcoin en existence est strictement limité. Il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin en existence. Et la création monétaire au niveau du Bitcoin, elle est régulée par un algorithme informatique. Alors, je pourrais aller dans le détail un peu plus tard. Là, l'important, c'est que vous compreniez qu'il y a une quantité absolument limitée dans le nombre de bitcoins qui seront en existence. Aujourd'hui, on a déjà créé à peu près 16 millions de bitcoins. Donc, il en reste à peu près 5 millions seulement à générer. Le fait qu'on ait une quantité strictement limitée du nombre de bitcoins disponibles fait que, d'un point de vue financier, le bitcoin se comporte beaucoup comme un métal précieux, comme de l'or, de l'argent, du platine, des choses comme ça, parce que de la même façon que l'or, on en a une quantité limitée, on a une quantité qui va être disponible et qui va être de plus en plus faible au fur et à mesure qu'on aura réussi à créer les bitcoins qui nous restent. De fait, il y a des gens qui vont utiliser le bitcoin pour se faire des économies, pour éventuellement spéculer dessus, parce que le Bitcoin, encore une fois, a un comportement qui est assez proche des métaux précieux sur un point de vue financier.
voilà à peu près l'ensemble des caractéristiques qui sont vraiment intéressantes au niveau du Bitcoin. Cette décentralisation, la sécurité, la rapidité et surtout le fait qu'il y ait un nombre strictement limité de Bitcoin qui sera disponible en existence. Et sans plus de détails, je vais commencer à prendre vos questions. Alors, très simplement, on reprend aussi l'analogie avec les métaux précieux. Il y a 8000 ans, c'était super facile de trouver de l'or. Vous avez des mines à ciel ouvert qui étaient extrêmement faciles et disponibles. Au fur et à mesure du temps, les mines deviennent de plus en plus difficiles à exploiter. On trouve de moins en moins d'or dans le sous-sol. Un jour, peut-être pas si lointain que ça, on aura exploité la dernière mine d'or. On n'aura plus d'or à exploiter. C'est pas grave, on s'échangera tout l'or qu'on aura extrait. Il aura certainement plus de valeur puisqu'il deviendra intrinsèquement plus rare. Pour le Bitcoin, c'est exactement le même principe. Le jour où on aura extrait, créé le dernier Bitcoin, on sera bien obligé de s'échanger les Bitcoins qui auront été créés. Ça va limiter la fluidité de la monnaie disponible. Ça risque éventuellement de limiter la fluidité de la monnaie, sauf que, bien entendu, les Bitcoins sont échangés sur des marchés publics avec un dont le cours est fixé intégralement en fonction de l'offre et de la demande. Donc à partir de là, je veux dire, si la liquidité diminue, forcément le prix aura tendance à augmenter. Donc si le prix augmente suffisamment, des gens vont remettre leur Bitcoin sur le marché, et ainsi de suite. Monsieur. Vous avez parlé de rapidité dans le transfert. Je crois avoir lu qu'il y avait des problèmes justement dans les transactions, et que c'était comparé à par exemple le système Visa qui était Alors, oui, effectivement, ça c'est un problème à l'heure actuelle qui n'est pas encore résolu. C'est le fait que le nombre de transactions que le réseau Bitcoin est capable de gérer en parallèle est pour l'instant assez limité. Donc, vous avez des gens qui travaillent sur la question pour essayer de lever cette limitation. Alors notez que ce n'est pas tant la vitesse d'une transaction en particulier qui est impactée, c'est le fait que le réseau est capable de traiter N transactions en parallèle sur une période de temps donnée. Aujourd'hui, on est aux alentours de 2000 transactions pour toutes les 10 minutes, ce qui effectivement est extrêmement faible par rapport à un système tel que Visa, etc. Mais cette limitation, on peut la lever. On peut la lever sans trop de problèmes. Pour l'instant, les gens qui gèrent le code informatique du Bitcoin sont en train de discuter sur la question, sur savoir quelle est la solution qu'ils vont choisir pour lever cette limitation. Mais on peut la lever. Monsieur. Une question plus économique. Est-ce qu'on est capable de donner un coût à la transaction enregistrée? Un coût économique pour l'ensemble du réseau, de vérifier la transaction la bonne. Alors c'est une question intéressante. Derrière, c'est quelle est la transaction minimale qu'on peut accepter sur le réseau sans faire perdre de l'argent? C'est une question intéressante. La vérification de l'intégrité de toutes les transactions Bitcoin est effectuée par des gens qu'on appelle les mineurs et qui font tourner des machines qui consomment beaucoup d'électricité pour effectuer cette vérification. Alors, on n'est pas capable de donner un chiffre précis parce qu'il y a énormément de variables dans l'équation à résoudre. Les variables, c'est quel est le prix de l'électricité, quel est le prix des machines que vous avez installées chez vous, quel est leur rendement, et selon la machine que vous avez installée chez vous, le rendement va être différent, quel est le cours du Bitcoin, etc. etc. Donc on ne peut pas vraiment établir le coût minimal d'une transaction. Je dirais, à l'heure actuelle, le prix pour faire passer une transaction sur le réseau Bitcoin est aux alentours de quelques dixièmes de centimes d'euros. Donc on peut dire que c'est à peu près le coût d'une transaction. Monsieur. Une seule, s'il vous plaît. On va atteindre le plafond des 21 millions à quelle période? En 2140. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une progression presque logarithmique. C'est-à-dire que en 7 ans, on a créé déjà 16 millions de bitcoins. Et en fait, on a une création qui est extrêmement rapide au début et qui se ralentit progressivement pour devenir extrêmement plate. Dans 10 ans environ, on sera déjà à 20 millions. Le tout dernier million de bitcoins, il faudra à peu près une centaine d'années pour les mettre. Pourquoi ce ralentissement? Alors,
ça a permis déjà de déclencher une demande rapide au tout début pour le Bitcoin. C'est programmé dans le système. C'est programmé dans le système. Alors la programmation, elle est relativement simple. C'est au tout début de la création du Bitcoin, vous aviez 50 Bitcoins qui étaient émis toutes les 10 minutes. 50 toutes les 10 minutes. Au bout de 4 ans, cette quantité a été divisée par 2. Donc au bout de 4 ans, on est passé à 25 bitcoins émis toutes les 10 minutes. 4 ans plus tard, et là c'était au mois de juillet dernier, on est passé à 12 bitcoins et demi toutes les 10 minutes. Et donc bientôt, dans 4 ans, 6, puis 3, puis 1,5, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors justement, je vais poser une question sur la création, oui. La légitimité de ceux qui l'a créé, leur technique, l'institut. Tout à l'heure. C'est beaucoup trop technique pour l'instant. Monsieur. Est-ce que les bitcoins sont fractionnables ? Oui, monsieur. Évidemment, heureusement, sinon 21 millions, vous vous rendez compte qu'on ne serait pas allé bien loin. On peut avoir des millièmes de bitcoin, on peut avoir des millionièmes de bitcoin et on peut aller jusqu'au centième de millionième de bitcoin. 10 puissance moins 8. C'est infini. Non, non, non. 8 décimales. 8 décimales. Alors, c'est une proposition intéressante. Vous avez à peu près 700 personnes, groupes et entreprises qui ont eu cette idée-là. Donc aujourd'hui, on trouve à peu près 700 crypto-monnaies qui sont toutes à peu près, alors certaines qui ont radicalement différé, mais dont beaucoup sont assez proches du modèle du Bitcoin. D'accord. Alors, sur ces 700, vous avez évidemment des gens qui se sont dit bah, ça va être formidable, je prends le code, puisque évidemment le code source du Bitcoin est disponible par tout un chacun. Donc je récupère le code source du Bitcoin, je modifie quelques paramètres et je produis ma propre monnaie et je dis c'est formidable, achetez-la, elle va dépasser le Bitcoin très rapidement. Bah, ça ne marche pas comme ça. Il faut que vous établissiez de la demande. Il faut que les gens ils aient envie d'acheter votre monnaie. Et la plupart de ces 700 crypto-monnaies, elles ont eu un flash d'intérêt et puis après elles sont retombées très rapidement dans l'oubli. Sur les 700, on va dire qu'il y en a à peu près une dizaine à une quinzaine qui ont véritablement de l'intérêt, qui présentent des caractéristiques qui font que oui, ça peut créer une demande, oui, ça peut créer un intérêt. La monnaie à l'heure actuelle, alternative par rapport au Bitcoin, qui est la plus intéressante et qui présente le plus de caractéristiques innovantes, s'appelle l'Ethereum. Donc si vous voulez, je pourrais également vous donner quelques détails sur l'Ethereum. C'est vraiment fondamentalement très intéressant. Par rapport au Bitcoin, ça présente des caractéristiques assez innovantes. Monsieur. Est-ce que chaque monnaie, toute monnaie a sa propre blockchain ? Absolument, oui. Oui, bien sûr. Sinon, ce serait juste pas compatible. La blockchain, outre le fait... S'il vous plaît, messieurs. Merci. Outre le fait qu'une blockchain est capable de stocker toutes les transactions qui ont lieu sur une crypto-monnaie en particulier, elle est également garante du fonctionnement du protocole lui-même. Par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait X bitcoins qui sont produits toutes les 10 minutes est vraiment fonction de chaque implémentation de chaque blockchain. D'accord ? Alors, les mineurs se rémunèrent de deux façons. Premièrement, par la création monétaire. Donc, une fois toutes les 10 minutes, vous avez une sorte de loterie qui est organisée. J'y reviendrai un petit peu plus tard en détail. Et donc, un des mineurs sur le réseau qui est en train de vérifier toutes ces transactions va gagner 12 bitcoins et demi. Okay. C'est vraiment de la création monétaire ex nihilo, comme M. Draghi est capable de créer des euros à la Banque Centrale Européenne. Et en plus, ce mineur qui aura gagné ses 12 bitcoins et demi va recevoir X montant, le nombre de transactions qui ont eu lieu sur les 10 dernières minutes, multiplié par la commission de chaque transaction. D'accord. Aux alentours de 1 bitcoin et demi, 2 bitcoins, toutes les 10 minutes. D'accord. Donc, toutes les 10 minutes, vous avez un des mineurs qui va gagner aux environs de 13,5-14 bitcoins. C'est comme ça qu'ils vont se rémunérer, payer leurs factures d'électricité, leurs machines, etc. etc. Bonne introduction à la question qui était toujours sur les aspects économiques. On parle beaucoup de smart contract, donc blockchain appliquée à autre chose que de la monnaie. Est-ce qu'on peut envisager une blockchain sans monnaie justement ? Comment est-ce qu'on rémunère les mineurs dans ces cas-là ? Difficilement.
Alors, on peut envisager une blockchain sans monnaie. L'idée, c'est vraiment sur un smart contract, ça va être quelque chose. Alors, je vais expliquer qu'est-ce que c'est qu'un smart contract. Donc jusqu'ici, on parle de transaction. Qu'est-ce que c'est qu'une transaction? Ben, j'ai un demi bitcoin sur mon portefeuille. Je vous envoie un demi bitcoin. On a terminé, on est content. Bon. Alors, on pourrait faire des choses relativement plus complexes. Je pourrais dire, par exemple, je vais vous envoyer un demi bitcoin à condition qu'il se passe un événement. Alors cet événement, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être par exemple que le Paris Saint-Germain gagne son prochain match. Et hop, j'ai implémenté un système de paris sportif. Ça pourrait être que je vous envoie 2 bitcoins à condition que votre voiture ait eu un sinistre. Et hop, je suis votre assureur. Donc j'ai dessiné un contrat d'assurance à travers une blockchain où je fais les paiements par ce biais. Vous avez donc, ça c'est le système de smart contract. Un smart contract, ça va être quelque chose de relativement complexe où je vais pouvoir implémenter tout un tas de conditions différentes. Où je vais pouvoir dire, par exemple, eh bien, je vais vous payer 20 bitcoins à condition que vous fassiez mon site web. Eh bien, il y aura 5 étapes dans le smart contract. À chaque fois, il y aura une signature électronique. Et lorsque les 5 étapes seront réalisées, le paiement vous est automatiquement envoyé. Je vais pouvoir faire des choses, par exemple, pour gérer du crowdfunding. Vous connaissez le crowdfunding, envoyez-moi de l'argent, j'ai un projet formidable. Donc plein de gens m'envoient de l'argent. Si au bout d'un mois, on a bien reçu 10 000 euros, je garde les 10 000 euros et je lance mon projet. Si au bout de 2 mois, personne ne m'a envoyé d'argent ou pas assez, eh bien, automatiquement, les gens doivent récupérer leur argent. Aujourd'hui, sur la blockchain Ethereum, on est capable d'ores et déjà de faire des smart contracts pour gérer du crowdfunding. Alors, on peut très bien imaginer, par exemple, le fait d'utiliser une blockchain pour juste y stocker de l'information, y stocker des smart contracts qui vont exécuter des choses. Mais quand même, la plupart du temps, l'exécution finale du smart contract, ça va être le fait d'envoyer une certaine valeur à quelqu'un. Est-ce que dans ces cas-là, il faut qu'elle soit déterminée à l'avance ? Oui, la plupart du temps. Oui, oui. L'idée d'un smart contract, c'est la plupart du temps, c'est le fait que tout le monde sache exactement tous les paramètres du smart contract. Vous voyez, vous n'allez pas envoyer de l'argent sur un type de crowdfunding si vous ne savez pas à l'avance le résultat du smart contract. Monsieur. Quelle est la valeur juridique, aujourd'hui légale de la blockchain ? Quand je mets des informations intérieures, est-ce que juridiquement c'est comme quelque chose qui peut être défendu ? Alors, il y a 2 choses intéressantes à savoir. Tout d'abord, au mois d'octobre 2015, le Bitcoin lui-même est arrivé devant la Cour européenne de justice. D'accord ? Vous avez la Suède qui est allée voir la Cour européenne de justice et qui a posé la question à la Cour en disant « Est-ce que lorsque quelqu'un achète du Bitcoin avec des euros, on doit lui faire payer la TVA ?» Alors c'est une question essentielle parce que si vous faites payer la TVA lorsque vous achetez des bitcoins avec des euros, ça veut dire que vous êtes en train d'acheter un produit parce que vous payez la TVA sur le produit que vous achetez. Si vous ne faites pas payer la TVA, c'est que vous êtes en train de faire un transfert de devise. Quand vous achetez du dollar avec de l'euro, vous ne paierez pas de TVA. Eh bien, la Cour européenne de justice a décidé qu'il n'y aurait pas de TVA sur les achats de bitcoin en euros. De fait, transformant le Bitcoin en quelque chose qui ressemble beaucoup à une devise. Pour nous, c'était Noël. Vous voyez, c'est vraiment une légitimité qui est vraiment donnée au Bitcoin en tant que crypto-monnaie. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Et on part vraiment sur le sens de, oui, c'est une devise, c'est quelque chose qu'on va pouvoir échanger contre d'autres monnaies tranquillement. En plus, au mois d'avril 2016, la France a produit une directive. Alors, c'est quelque chose qui était relativement caché dans les directives qui disait en fait qui légitimise l'utilisation d'une base de données distribuée et notarisée pour pouvoir y stocker des données. D'accord ? Alors le nom blockchain n'est pas écrit dessus, mais vraiment il manquait que ça. D'accord. Et donc l'État français semble se rapprocher de l'utilisation potentielle de la blockchain pour par exemple y stocker des données. En plus de ça, il y a quelque chose qui est très intéressant également, qui est le fait que la Caisse des dépôts
un organisme français public a lancé une initiative blockchain pour pouvoir discuter, pour pouvoir mettre autour d'une même table à la fois des acteurs bancaires et du monde de l'assurance et des gens comme nous, des startups, autour de la blockchain pour pouvoir discuter, pour pouvoir éventuellement mettre des projets en commun. Donc oui, on se rapproche vers quelque chose qui est une légitimité, une justification juridique. Bien entendu, le fait est qu'il n'y aura jamais... il faudra attendre le jour où un problème arrive devant un tribunal pour vraiment qu'un juge un jour se prononce. Oui, cette information était stockée sur une blockchain, donc on peut affirmer qu'elle était vraie. Vous voyez ce que je veux dire ? Tant qu'il n'y aura pas une véritable jurisprudence où on sera arrivé devant un juge et qu'il y aura un jugement, tout ça, ça reste encore relativement théorique. Monsieur. Vous ne craignez pas les banques et les assurances ? Nous ne craignons absolument pas les banques et les assurances, nous travaillons avec eux. C'est un peu dangereux, non ? Non, pourquoi ? C'est leur métier, ça. Ils sont alors, très simplement, le Bitcoin, ça n'intéresse pas du tout les assurances et les banques. Les banques surtout, ça ne les intéresse pas. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous commencez à expliquer qu'un Bitcoin, ça ressemble beaucoup à une pièce d'or, c'est à peu près le même comportement qu'une pièce d'or au point de vue financier, etc. Je vous en prie. À partir du moment où vous commencez à expliquer à un banquier qu'un Bitcoin, ça ressemble à une pièce d'or, ça ne l'intéresse pas du tout. Parce que vous ne pouvez pas acheter une pièce d'or chez votre banquier, ça ne va rien lui rapporter. Votre banquier, il veut vous vendre des produits financiers que son siège lui a dit de vendre et vous vendre éventuellement des prêts avec intérêt. Mais pas des pièces d'or, ça ne lui rapporte rien. Par contre, la blockchain intéresse énormément le monde de la banque. Pourquoi ? Parce que une base de données qui est notarisée, qui va être éventuellement distribuée, etc., ça va être quelque chose qui va être potentiellement extrêmement utile. Et le fait est que au mois de juillet 2015, vous avez un consortium d'à peu près une quarantaine de grandes banques mondiales qui a été créé. Ce consortium s'appelle le R3CEV, avec pour but d'étudier est-ce qu'on va pouvoir mettre en place un remplacement éventuel au système SWIFT. Alors le système SWIFT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui date des années 70 et qui permet de faire des échanges interbancaires. C'est un système qui commence à montrer quelques failles et quelques problèmes, puisqu'il y a déjà eu des hackers qui ont réussi à voler plusieurs dizaines de millions de dollars sur ce système, notamment cette année. Et donc, un consortium de banques qui s'intéresse à un remplacement éventuel du système SWIFT par quelque chose qui pourrait utiliser éventuellement une blockchain. Monsieur. Vous avez parlé de l'intégrité de la blockchain. Est-elle réellement inviolable ? Si elle était violable, vous pensez bien qu'il y a des gens qui se seraient déjà servis. Là où c'est intéressant, c'est que comme j'ai accès au code source complet, comme j'ai accès à l'intégralité des transactions. Alors la question est relativement simple. Moi j'aime bien dire souvent, c'est vous voulez prendre des fonds sur la blockchain ? Vous voulez voler de l'argent à quelqu'un ? Allez-y. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Vous pouvez le faire depuis chez vous tranquillement et réussir à voler des fonds. Le concept de blockchain, c'est vraiment comme si on avait, et le fait de l'avoir en open source, c'est comme si on avait une banque et qu'on dit, bah voilà, regardez, on publie les plans de notre banque. Les caméras sont ici, le coffre est là, il utilise tel système de fermeture, etc. Allez-y, rentrez dedans. Pour l'instant, ça fait 7 ans et pour l'instant, personne n'est rentré dedans. Le protocole, il est toujours solide comme du roc. Qu'en est-il de la taxe 51%? Alors ça c'est autre chose, ça c'est le fait de dire, c'est si jamais vous aviez une concentration extrêmement importante auprès d'un seul acteur permettant de gérer le concept de minage, c'est-à-dire le concept de vérification de toutes les transactions, alors effectivement cet acteur qui aurait une telle puissance de calcul, il pourrait influer sur quelles transactions sont acceptées par le réseau ou pas. D'accord, voilà. Pour l'instant, on n'a pas ce risque-là à l'heure actuelle. Monsieur. Par rapport au smart contract, qu'est-ce que le DAO et pourquoi il a été délisté de certaines plateformes de trading ? Donc smart contract, vous savez déjà, donc c'est je suis capable de gérer des transactions de façon plus ou moins intelligente avec des conditions, avec tout un tas de choses. Alors, il y a des gens qui se sont dit, tiens, et si on inventait quelque chose d'intéressant, on pourrait inventer un fonds d'investissement totalement décentralisé. Le DAO, c'est ça, c'est un fonds d'investissement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ?
ils ont créé donc un smart contract. Et ce smart contract, les gens, ils pouvaient venir et acheter des parts de smart contract. Et ensuite, une fois l'émission de toutes les parts réalisée sur environ un mois, ils ont dit, bah écoutez, à partir de maintenant, on a cette masse monétaire qu'on a emmagasinée et on va pouvoir investir dans des entreprises, investir dans des projets pour faire fructifier les parts du DAO. Okay. C'est une idée absolument formidable. On va pouvoir créer un fonds d'investissement comme ça, de cette façon complètement, complètement décentralisée, et pouvoir permettre notamment de gérer l'intégralité de tous les investisseurs par des systèmes de vote. Évidemment, chacun votait avec son nombre de parts pour savoir combien est-ce que est déterminé sur quel projet le DAO allait investir. Eh bien, très mauvaise nouvelle. Là où les personnes, je ne sais plus qui a écrit le code du smart contract du DAO, on s'est aperçu qu'il y avait une faille à l'intérieur de ce code. Et quelqu'un a réussi à venir et à prélever à peu près un tiers du contenu des fonds qui étaient stockés dans le DAO, c'est-à-dire aux alentours de 50 millions de dollars. Le DAO, en tout, il y avait 150 millions de dollars. Alors notez que ce n'est pas une faille, alors c'était basé sur le système Ethereum. Ce n'est pas une faille de Ethereum, ce n'est pas une faille dans le système blockchain en général, c'est vraiment une faille du smart contract spécifique du DAO. Okay. Alors en fait, après ça a créé tout un tas de problématiques dans le monde de l'Ethereum sur la gouvernance et l'utilisation qu'on pouvait faire de l'Ethereum. Aujourd'hui le DAO est plus ou moins mort et je pense que les gens vont être plus ou moins remboursés. Et c'est lié à la rupture entre un Ethereum classique et un Ethereum. Oui, oui, absolument. Alors, si vous voulez aller dans les détails, les créateurs de l'Ethereum ont juste décidé que les fameuses transactions qui avaient permis aux hackers de prélever un tiers du contenu du DAO allaient être annulées. Et vous avez des gens qui ont dit non, on ne peut pas faire ça. Parce que ça veut dire que là, on n'est plus sur un modèle complètement décentralisé. Si on peut annuler des transactions, qu'est-ce qui empêchera plus tard dans l'avenir d'en annuler d'autres pour une raison X, Y? Donc les gens qui ont refusé le fait d'annuler les transactions du hacker du DAO, ils ont recréé une nouvelle monnaie parallèle qu'on a appelée l'Ethereum classique. Monsieur. Pour revenir tout à l'heure à la question sur les banques et les assurances, est-ce que le fait que la blockchain soit décentralisée, ça n'amènerait pas justement la disparition d'un tiers, enfin de passage par un tiers pour faire des emprunts d'argent, voir des fonds citoyens ou des actions menées par les gens et totalement abandonner le système, totalement. C'est possible. C'est possible. Le fait est que là, aujourd'hui, ce qui intéresse les banques, ce qui intéresse le monde de la banque et de l'assurance et de la finance, c'est une amélioration de la vitesse et de l'efficacité de leur processus. D'accord. Plus tard, on peut imaginer, effectivement, il y a déjà des gens qui ont construit des sites web où vous pouvez aller et, par exemple, prêter vos bitcoins à des gens qui veulent un emprunt. Le problème, c'est que comme vous n'êtes pas une banque, si la personne qui est en face de vous ne vous rembourse pas, qu'est-ce que vous faites ? Alors vous avez juste quelqu'un à travers Internet, etc. Alors ils ont essayé de mettre en place des systèmes de réputation où plus vous empruntez, plus vous avez le droit d'emprunter et ainsi de suite. Mais ça reste relativement risqué. Les banques, elles ont encore un bel avenir devant elles, notamment pour tout ce qui est le système de gestion des prêts. Vous avez parlé de l'application de la blockchain, l'application de la blockchain utilisée par les banques. Est-ce que c'est possible d'imaginer des applications de blockchain grand public aujourd'hui ? Bien sûr. Alors, que vous donnez comme exemple, puisqu'il y en a plein. Vous avez par exemple des gens qui font déjà de la certification de diplôme. D'accord ? Alors imaginez, tous les ans, vous avez une université qui produit des diplômes pour ses étudiants. Et elle prend ses diplômes, elle en prend une empreinte et elle stocke ça sur une blockchain. À partir de là, un employeur potentiel dans 5 ou 10 ans pourra, quand il aura un candidat devant lui, vérifier immédiatement sur la blockchain est-ce que ce candidat a bien le diplôme qu'il prétend avoir en allant directement faire une vérification sur la blockchain. D'accord. Autre exemple, vous avez des gens qui commencent à travailler sur, par exemple, des coupons de réduction. D'accord. Je vais pouvoir, par exemple, utiliser des coupons de réduction sur mon téléphone mobile. Et ces coupons en fait sont stockés sur une blockchain, ce qui me permet de ne pas pouvoir les copier par exemple.
Parce que si j'ai un coupon avec un numéro unique, éventuellement je peux le donner à quelqu'un d'autre. Comprenez ? Le fait qu'il soit stocké sur une blockchain me permet d'affirmer que personne n'aura la même copie que moi. Deux exemples par exemple. Oui ? Ah, ça, c'est une question intéressante. Elle ne le fait pas. Alors, je nuance ma réponse. Vous avez en fait, et notamment le monde bancaire qui s'intéresse beaucoup à la blockchain, ça, c'est une des choses que les banquiers veulent le moins. C'est évidemment qu'on puisse lire tout le contenu de toutes les transactions de tout le monde. Et donc, l'idée, c'est que vous pouvez avoir une blockchain dite publique, par exemple la blockchain Bitcoin, où n'importe qui a la possibilité d'aller piocher et voir des données. Vous aurez des blockchains éventuellement semi-privées, où par exemple ça va être géré par un réseau bancaire, où j'aurai 10 grandes banques qui ont chacune une copie d'une blockchain et il n'y a que les acteurs bancaires qui y auront accès. Et vous pouvez avoir directement des blockchains complètement privées où seuls les membres d'une même entreprise peuvent y accéder. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà à l'heure actuelle. Que fait-on avec les Chinois ? Actuellement, on leur donne de l'argent pour le minage. Parce que la plupart des mineurs à l'heure actuelle, ce sont des entreprises qui sont en Chine. Oui. Parce que c'est interdit, hein, on s'entend bien. Interdit ? Alors, non, plus maintenant. Non, ça a été levé, ça. Ok, je suis en retard. Non. Alors, ce qui avait été fait, c'est que... Alors, le Bitcoin n'a jamais été interdit en Chine. Ce qui avait été interdit, ça avait été le change entre le yuan et le Bitcoin. Mais par exemple, la plupart des entreprises de minage à l'heure actuelle en Chine, elles fonctionnent très très bien et elles gagnent pas mal d'argent. Justement, vous pouvez aborder le sujet du minage. Ok. Accrochez-vous. Allons-y. Ok. Alors. 14h. Ah bon, déjà ? Non. Ok. Alors, je reprends un des principes fondamentaux. Je disais tout à l'heure, donc toutes les transactions qui arrivent sur la blockchain, elles doivent être vérifiées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les transactions quelqu'un doit vérifier si effectivement vous aviez l'argent sur le compte que vous êtes l'argent que vous êtes en train de dépenser sur votre compte et que la signature électronique dont je vous parlais au tout début était bien valable. Eh bien, vous avez des gens qui font tourner des machines sur Internet et qui vérifient toutes les transactions qui passent sur le réseau Bitcoin. Pourquoi est-ce que les gens s'embêteraient à installer des machines et à faire ça ? Parce que on va les récompenser en leur permettant de générer des nouveaux Bitcoins. D'accord ? Donc on va utiliser les profits qu'ils vont faire pour à la fois faire de la création monétaire et pour vérifier toutes les transactions qui passent sur le réseau Bitcoin. Alors, ce qu'on fait, c'est que ces gens, on va les obliger à faire tourner leur machine et à résoudre des problèmes mathématiques pour valider toutes les transactions qui passent. Et on va augmenter artificiellement la difficulté des problèmes mathématiques qu'ils résolvent pour que on réussisse à avoir une fois un... Attends, je reprends. On organise une sorte de loterie et une de ces machines va gagner cette loterie une fois toutes les 10 minutes en moyenne. D'accord ? Voilà comment le système fonctionne. Chacune de ces machines est en concurrence avec toutes les autres et l'une d'entre elles, au bout d'une dizaine de minutes en moyenne, va gagner 12 bitcoins et demi plus les commissions dont on parlait tout à l'heure. Okay. La probabilité de gagner cette loterie est directement proportionnelle à la capacité et la puissance de calcul dont vous disposez, tout simplement. Et donc, évidemment, pour gagner le plus d'argent possible, ces gens vont faire tourner des machines de plus en plus puissantes. À l'heure actuelle, les gens qui font du minage, c'est des gens qui ont des fermes de serveurs, donc des rangées et des rangées de machines remplies dans des centres informatiques serveurs. Qu'est-ce qui se passe justement quand les 21 000 seront créés ? Oui. Pour les rémunérer ? Eh bien, ils ne recevront plus que l'argent des commissions. Pour vérification. À chaque fois que vous faites une transaction, vous avez une petite commission qui est versée. Cette commission, elle est versée aux mineurs. Donc, quand il n'y aura plus de Bitcoin, et même quand la part de la création monétaire deviendra suffisamment faible, eh bien, ils seront beaucoup plus rémunérés sur les commissions. Surtout si le Bitcoin prend, qu'il y a de plus en plus de transactions, et que s'il y a beaucoup de transactions, il y aura beaucoup de commissions.
Et est-ce que vous avez un retour sur la santé économique réelle de cette entreprise ? Est-ce qu'elle gagne bien leur vie, mal ? Je ne saurais pas vous dire. Je sais que la plupart sont donc en Chine. Je sais qu'il y en a aussi en Islande. Alors en Islande, parce que l'électricité n'est pas chère du tout et que le refroidissement, ce n'est pas un problème du tout. Il y en a une ou deux aux États-Unis également. Je n'ai pas vu qu'il y en ait qui aient fait faillite récemment, etc. Qui se portent relativement bien. Mais je dirais que le cœur, là où les choses avancent le plus rapidement à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout sur le minage. C'est beaucoup plus, comme on en discutait tout à l'heure, sur tout ce qui est les smart contracts et l'utilisation de la blockchain dans le monde corporate. C'est vraiment là que ça bouge le plus rapidement à l'heure actuelle. Alors pour faire une blockchain non Bitcoin, il faut également l'équivalent des mineurs ? Pas forcément. Vous pouvez vous en passer si votre blockchain n'est pas publique. L'idée des mineurs, c'est parce que les mineurs, ils agissent, donc pour les gens qui connaissent ce terme, en tant que chambre de compensation décentralisée. Si vous avez quelque chose qui est plus centralisé, donc une blockchain à l'intérieur d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, on peut s'en passer de façon différente. Alors je vous donne un exemple qui m'intéresse. Il y a des projets, notamment dans des pays en voie de développement, pour donner des titres de propriété à des gens qui n'en ont pas. Oui, au Nicaragua par exemple. Voilà, c'est ça. Donc là, dans un cas comme ça, il faut quand même qu'il y ait des mineurs. Non, pas forcément. Le gouvernement lui-même peut gérer l'intégralité de la blockchain. A priori, il y a des pays où on voudrait que ce ne soit pas le gouvernement. Ah oui. Alors évidemment, soit vous êtes centralisé et vous faites confiance à un tiers, soit vous êtes décentralisé et il vous faut du minage. Des États, des projets montés par des associations par rapport à des États qui sont faillis potentiellement. Absolument. Mais donc pour avoir des systèmes de cadastre. Absolument. Oui, je connais bien ce projet. Voilà. Oui, bien sûr. Donc là, il faudrait des mineurs. Absolument, oui. Donc il faudrait trouver un moyen pour les rémunérer. Oui, il faut leur donner de l'argent. Ou des bitcoins, ou ce qu'on veut. Madame. Quand on parle de la base de données décentralisée, ce sont les mineurs qui gardent les traces des transactions ? Non. Imaginez, en fait, vous avez deux types de machines. Vous avez les gens qui ont juste une copie de la blockchain. D'accord ? C'est la blockchain, donc cette base de données décentralisée qui contient toutes les transactions bitcoin. Et vous avez des gens qui sont des nodes spéciales qui, eux, font ce travail supplémentaire de vérification des transactions. D'accord. Et ceux qui gardent la copie de la blockchain. Donc ils gardent la copie de l'intégralité, c'est ça ? Ouais. Ils récupèrent copie. Constamment, chacune des copies de la blockchain est connectée à une dizaine d'autres et récupère en temps réel toutes les transactions. Et qui sont n'importe qui. Nous, par exemple, on a une machine sur laquelle il y a une copie de la blockchain. Non, pas du tout. Alors, ça prend pas grand-chose. Vous avez juste besoin d'une petite connexion Internet et d'à peu près 80 gigaoctets d'espace disque. C'est pas monstrueux. Et le temps de diffusion, justement, de la mise à jour mondiale ? Quelques secondes. Quelques secondes. Alors, en fait, on le fait par bloc. On le fait par bloc de dizaines de quelques milliers de transactions. Mmh. Monsieur. Juste pour revenir sur le minage. Donc, c'est pas une équipe qui décrypte un bloc qui gagne en premier. Ils décryptent tous, mais il y aura une loterie au 10 minutes qui dira lequel gagne. C'est bien ça. C'est bien ça. Il leur faut la compétence plus la chance. Exactement, oui. Et la chance est proportionnelle à leur puissance de calcul. Ah, ils ont plus de oui. Voilà. Alors, c'est bien pour ça qu'à l'heure actuelle, en fait, vous avez ce qu'on appelle des pools ou des syndicats qui sont mis en place de gens pour faire le minage. C'est-à-dire, au lieu d'avoir la chance de gagner les 12 bitcoins et demi une fois tous les 6 mois, eh bien, si vous vous mettez avec 10 000 autres personnes et que vous partagez la difficulté du calcul, eh bien, vous réussirez à avoir quelques euros toutes les 10 minutes au lieu d'avoir les 12 bitcoins et demi tous les 6 mois. On appelle ces syndicats des pools. Intéressant. L'intérêt du minage, il existera toujours. Alors, je vais vous donner un exemple plus proche. Imaginons qu'aujourd'hui, vous ayez plein de mineurs qui arrivent sur le marché. Donc, eux, ça va augmenter la masse des mineurs et automatiquement, le réseau Bitcoin s'auto-adapte pour que la difficulté de résoudre le problème soit proportionnelle à la capacité de minage de l'ensemble du réseau.
de cette façon-là, on retombe sur une fois la loterie gagnée une fois toutes les 10 minutes. D'accord ? Eh bien, si vous aviez plein de mineurs qui arrivaient sur le marché en même temps, ils devraient se partager un gâteau de plus en plus petit. Certains d'entre eux, au bout d'un moment, devraient faire faillite. Okay. Et ceux qui resteraient pourraient à nouveau se partager un gâteau un peu plus raisonnable. Donc constamment, vous avez un équilibre qui s'effectue entre le nombre de mineurs et les bitcoins qui sont fournis. Donc même lorsqu'il n'y aura plus que la part dédiée aux commissions, là aussi il y aura un équilibre. Peut-être que des mineurs disparaîtront, mais il y en aura toujours qui auront cet intérêt à continuer à miner pour récupérer ces 1 bitcoin et quelques. On peut penser également que si le Bitcoin est encore là dans 140 ans, espérons-le, que le cours sera bien plus important. Il y a déjà des gens qui parlent d'un cours du Bitcoin qui pourra atteindre par exemple 100 000 euros par Bitcoin. Et dans ce cas-là, un Bitcoin ou un Bitcoin et demi, ce serait déjà largement rentable. Monsieur. Alors, l'usage principal à l'heure actuelle, c'est de la spéculation. C'est vraiment le plus grand nombre de transactions qu'on voit sur le réseau. C'est les gens qui vont acheter et vendre du Bitcoin contre des euros, contre du dollar, contre du yuan, en espérant gagner de l'argent en revendant haut et en achetant bas. Sinon, vous avez des gens qui font du commerce avec ça. À l'heure actuelle, vous avez déjà à peu près 100 000 sites sur Internet qui acceptent le Bitcoin. En France, il y a deux sites majeurs qui acceptent le Bitcoin à l'heure actuelle, qui sont Expedia, qui vend les chambres d'hôtel et les billets d'avion, et showroomprivé.com, qui vend les chaussures, vêtements et autres. Aux États-Unis, vous avez des acteurs comme Dell, les ordinateurs Dell, des opérateurs de télévision par satellite. Vous avez, pour ceux qui connaissent, le réseau Steam, qui est le plus grand réseau de vente de jeux sur Internet à l'heure actuelle. Vous avez le Xbox, le réseau Xbox qui accepte le Bitcoin. Vous avez tout un ensemble d'acteurs, surtout dans le monde évidemment de l'informatique et de la technologie, qui acceptent le Bitcoin. Vous avez également des acteurs qui sont souvent des particuliers pour faire des petites transactions. Et ça, c'est intéressant parce que je vais vous donner un exemple. Vous avez des jeux en ligne sur Internet où les gens, ils adorent avoir par exemple des fusils virtuels décorés. Okay. Et bien, vous avez des gens qui créent des décorations de fusils virtuels et qui les vendent en Bitcoin sur le réseau. Vous vous doutez bien que quelqu'un qui vendrait une décoration d'un fusil pour 2 euros, il ne pourrait pas avoir un agrément Visa ni quoi que ce soit. Donc évidemment, tout ça, c'est vendu en Bitcoin. C'est des micro-prestations. Oui, oui, c'est des micro-transactions. Alors par exemple, un autre exemple qui est intéressant, c'est on voit apparaître sur des forums des gens qui font des pourboires pour des commentaires intéressants. Donc quand vous voyez un commentaire intéressant, hop, vous envoyez un pourboire de 1 millième de Bitcoin, ça va faire 50 centimes, pour dire à la personne, bah, j'ai trouvé le commentaire sympa, hop, voici un petit pourboire. Vous voyez vraiment des micro-transactions. Pour les organisations non gouvernementales aussi, à l'heure actuelle, vous avez des gens comme la Croix-Rouge, la Fondation Wikimedia, Wikileaks, tous ces genres de gens acceptent d'ores et déjà le Bitcoin. Faire du change, ça peut être intéressant. Je pars avec mon compte Bitcoin en Angleterre. Est-ce que j'y gagne? Est-ce que j'y perds? Par rapport aux commissions. Les commissions sur les sites physiques, elles seront souvent assez élevées. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, chez nous, par exemple, ça va être de 10%. Oui, ouais. Ce qui peut être relativement élevé. En ligne, vous aurez bien entendu des commissions plus faibles parce que c'est des gens qui auront des prix, des conditions plus. Des coûts fixes beaucoup plus faibles. Pour du change, pour du tourisme, s'il y a 10%. Je dirais, au fur et à mesure que le Bitcoin va se développer, je pense qu'on trouvera des lieux où on aura des commissions de plus en plus faibles. Et donc là, ça pourra vraiment devenir intéressant. Vous avez d'ores et déjà quand même des gens qui commencent à utiliser du Bitcoin pour, par exemple, envoyer de l'argent dans leur pays, si, par exemple pour la diaspora africaine. D'accord. Et qui trouvent l'intérêt d'utiliser le Bitcoin plus intéressant que, par exemple, de passer par Western Union. Monsieur. Oui, on commence à le voir, effectivement. J'avais au téléphone il y a quelque temps quelqu'un qui travaille avec le Brésil et qui me disait que quand il achète un produit au Brésil, il est d'abord obligé de prendre des euros, de les convertir en dollars, ensuite de prendre les dollars, de les convertir en réal et ensuite de pouvoir payer son distributeur.
Donc lui, il voulait absolument pouvoir commencer à payer directement son distributeur en Bitcoin, que le distributeur il reçoive son paiement en 5 minutes et qu'ensuite il pourrait recevoir ses paiements. Donc oui, je sais également qu'en Europe de l'Est et en Russie, vous avez pas mal de gens qui commencent à accepter le Bitcoin pour faire du développement de sites web. Dans quel pays ? En Europe de l'Est et en Russie. Madame. Le Bitcoin est imposable. Alors, comme tout produit que vous achetez et que vous revendez, quand vous gagnez de l'argent, vous devez déclarer vos revenus. Donc, par exemple, si vous achetez du Bitcoin et qu'il est à 200 euros et qu'ensuite vous le revendez 2 ans plus tard à 400 euros, vous devez déclarer ça selon la taxe sur les plus-values dans vos revenus. De la même façon, si jamais un jour vous êtes imposable au titre de l'impôt sur la fortune, ce que je vous souhaite, vous devrez déclarer au 31 décembre que vous avez un portefeuille de X Bitcoin multiplié par le cours au 31 décembre égale telle valeur. Pour une entreprise, c'est la même chose. Ça rentre dans sa comptabilité. C'est quelque chose, c'est une valeur. C'est comme si vous aviez des pièces d'or ou autre chose. Monsieur. Vous parlez de transferts dans certains pays. Il y a quand même certains pays où on n'a pas trop envie d'envoyer de l'argent. En tout cas, il y a quand même des problèmes d'embargo, etc. Comment c'est surveillé du coup ? Parce qu'il y a un principe d'anonymisation sur le blockchain. Oui, vous pouvez pas empêcher un transfert en Bitcoin. Tout simplement. C'est juste impossible. Alors vous aviez au mois de juillet dernier un député français qui parlait d'interdire le Bitcoin et qui parlait de fermer la maison du Bitcoin. Ça va être difficile, très honnêtement ça va être difficile. Si vous voulez interdire le Bitcoin, il va falloir mettre un méchant firewall autour de la France et ne plus rien laisser passer, notamment plus aucune connexion cryptée. D'accord ? Donc c'est relativement difficile. Si vous êtes la Corée du Nord, ouais c'est possible. Voilà. Monsieur. Où est-ce qu'on trouve les 700 cryptos, les 700 éditeurs de crypto-monnaies ? Est-ce qu'il y a une liste ? Oui, vous allez sur CoinMarketCap. Ok, merci. Sinon, pour revenir sur le minage, quand la masse monétaire est atteinte, les mineurs sont rémunérés avec une proportion, mais si la masse du coin est stable, ils peuvent en avoir plus. Oui, à chaque. Imaginez, on est arrivé à 21 millions. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait une transaction, donc moi je vous envoie un demi bitcoin, eh bien lorsque je vous fais cette transaction d'un demi bitcoin, j'envoie un millième de bitcoin au mineur qui réussira à valider la transaction. C'est la personne qui fait la transaction qui paye la commission. Ah, c'est les mineurs. Oui, toujours. Toujours. Alors juste une parenthèse, un point aussi qui est intéressant à comprendre, c'est le fait que dans le monde du Bitcoin, le concept même de prélèvement n'existe pas. Je ne peux pas vous donner mon adresse, mon compte Bitcoin pour que vous préleviez ce que vous voulez prélever dessus. C'est juste aberrant qu'on ait un système qui fonctionne comme ça. À l'heure actuelle, sur les paiements en carte bleue par exemple, il n'y a pas la notion de prélèvement, il n'y a que la notion de virement. C'est-à-dire, si je veux vous envoyer des bitcoins, il faut que vous me donniez votre adresse bitcoin, l'équivalent d'un relevé d'identité bancaire. De la même façon, si vous voulez m'envoyer des bitcoins, il faut que vous me donniez, il faut que moi je vous donne mon adresse. Sur l'identité, justement, cet identifiant bitcoin, mon portefeuille, j'imagine, c'est lié à quoi ? À rien du tout. C'est un long chiffre tiré au hasard. Ouais, mais c'est un username en fait, un mot de passe ? Non, même pas. Alors, je vais pas aller trop dans les détails, mais c'est ce qu'on appelle une clé privée. Une clé privée, c'est un très long chiffre tiré au hasard. C'est rien d'autre. Alors, ce qui est étonnant, et ce que beaucoup de gens sont étonnés la première fois qu'ils installent une application Bitcoin, c'est que vous allez sur, par exemple, le Play Store d'Apple ou de Google, vous installez un client Bitcoin. Une fois que l'application est installée, pof, automatiquement, vous avez un compte. Vous ne vous êtes pas authentifié, vous n'avez pas donné un login, un mot de passe, un email, rien du tout. Le fait même d'installer l'application permet de générer un compte qui est immédiatement utilisable sur le réseau Bitcoin. Mais du coup, c'est un outil sur plusieurs devices ? Ah non, chaque device va générer sa propre clé privée ou sa propre liste de clés privées. Alors, vous pouvez avoir un seul portefeuille si vous utilisez par exemple des services en ligne.
Donc là, vous allez sur un service en ligne. Là, du coup, effectivement, vous avez un login et un mot de passe. Mais là, c'est un modèle totalement différent. Là, ce sont des gens qui vont garder vos bitcoins pour vous. C'est l'équivalent d'une banque. D'accord. Ah, ça existe. Ils se font rémunérer, j'imagine. Non, même pas. Alors, la plupart d'entre eux, ils se rémunèrent sur les transactions qui sont sur les transactions de change entre le bitcoin et l'euro que vous effectuez sur leur plateforme. Mais personne ne vous prendra de l'argent, des bitcoins, pour stocker juste les bitcoins sur leur plateforme. Qu'en est-il de l'anonymat de justement cette fameuse clé ? Il est très relatif, cet anonymat. Il est très relatif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'heure actuelle, au moins en France, dans la plupart des pays d'Europe et aux États-Unis, déjà, vous ne pourrez pas acheter des bitcoins auprès d'un professionnel sans donner votre pièce d'identité. D'accord ? Au moins dans la zone européenne. Vous voulez acheter des bitcoins contre de l'euro, il va falloir donner une pièce d'identité. Le professionnel qui va effectuer la transaction gardera une trace de votre pièce d'identité, gardera une trace de la transaction, etc. etc. Je sais qu'en Russie et en Chine, ce n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Bon, ce n'est pas non plus le cas pour tout un tas d'autres procédures financières. De la même façon, si jamais je connais votre adresse bitcoin, eh bien, je suis capable d'aller interroger la blockchain pour savoir potentiellement combien il y a de soldes stockés sur votre adresse. D'accord. Ah, tout le monde peut savoir ce que tout le monde possède. Alors, je saurai ce que vous avez sur votre adresse si je la connais. Je n'ai pas forcément de lien entre votre identité et l'adresse en question. Si vous me donnez votre adresse pour que je puisse vous envoyer des fonds, voilà. Alors je saurai combien vous avez dessus. Alors, notez que à l'heure actuelle, la plupart des applications permettant de stocker des bitcoins, et les nôtres ne font pas exception à la règle, vont vous générer une nouvelle adresse par transaction, vous permettant ainsi d'échapper à ce genre de problématique. Monsieur. Est-ce que justement la monnaie, le Monero qui est présenté comme la monnaie qui résout le problème d'anonymat, est-ce que c'est vraiment le cas sur vous ? Alors, je n'ai pas vu dans le détail comment fonctionne Monero. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que les affirmations qu'ils font semblent assez raisonnables. Je pense que oui, qu'ils ont construit une crypto-monnaie qui est relativement protégée et qui protège relativement l'anonymat. Après, la problématique est à peu près la même. Lorsque vous voudrez vous procurer des Monero, comment vous allez faire avec vos euros ? Faudra bien. Alors, soit vous trouvez quelqu'un qui est d'accord pour vous les échanger comme ça dans la rue, etc. Bon, mais si vous allez chez un professionnel, ce professionnel vous demandera une pièce d'identité. Ce frottement, cette problématique entre le monde de l'euro et le monde des monnaies virtuelles numériques, elle aura toujours lieu. Surtout si vous passez par un professionnel. Les services permettent d'anonymiser ces monnaies présentées comme des services d'anonymisation. Je pense pas qu'ils soient interdits, je pense qu'ils sont relativement louches, effectivement, mais je pense pas qu'ils soient illégaux pour l'instant du moins. Est-ce que vous pourriez expliquer le proof of stake, s'il vous plaît ? Proof of stake. Alors, depuis tout à l'heure, je vous explique le principe du minage comme étant quelque chose où vous avez des gens qui s'affrontent avec des algorithmes. Et celui qui réussit à résoudre le premier un problème mathématique en fonction de sa puissance de calcul réussit à obtenir 12 bitcoins et demi. Bon. Vous avez certaines autres parmi les 700 crypto-monnaies qui ont dit ben nous on va prendre un principe totalement différent. On va prendre le principe suivant. Les mineurs auront une chance de gagner les 12 bitcoins et demi, enfin l'équivalent dans une autre crypto-monnaie, à condition qu'ils possèdent déjà une certaine quantité de cette monnaie. D'accord. De cette façon, on encourage la dissémination de la monnaie en question, on encourage les gens à la thésauriser et on les rémunère et on les récompense en leur permettant d'en générer des nouvelles à travers un processus de minage. Voilà le proof of stake. Vous avez même des crypto-monnaies qui utilisent un système hybride entre le proof of work et le proof of stake. L'Ethereum notamment va se lancer dans un système hybride comme ça dans quelques temps. Est-ce que justement avec le proof of stake, il n'y a pas le danger que quelqu'un qui ait beaucoup de monnaie se développe Si,
D'où l'intérêt d'un système potentiellement hybride, où à la fois on encourage les gens à avoir une certaine quantité de la monnaie, mais aussi à avoir à disposition une certaine puissance de calcul. Et il me semble que l'amalgame entre les deux semble intéressant comme solution. Pour éviter ce qui s'est passé et ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde du Bitcoin, qui est le fait qu'on est véritablement sur une course aux armements de la puissance informatique constante. En 2010, il était possible de miner du Bitcoin juste avec un pauvre PC posé dans un coin. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est des fermes de serveurs qui consomment une quantité d'électricité absolument monstrueuse. Donc les gens de l'Ethereum notamment veulent éviter qu'on arrive à ce genre d'extrémité en utilisant cette combinaison entre le Proof of Work et le Proof of Stake. Proof of, pardon. Proof of Stake, S-T-A-K-E. Avant, oui, et avant. Et Work. Oh, Proof of Work, ok, merci. Pourquoi on augmente la difficulté du minage? Ce qu'on veut, c'est que... Alors, ce qu'on veut, c'est que toutes les 10 minutes, il y ait 12 bitcoins et demi qui soient générés. D'accord? Or, la difficulté du problème à résoudre, eh bien, imaginez que si je rajoute beaucoup, beaucoup de machines qui ont beaucoup de puissance, eh bien, je vais réussir à trouver le problème plus rapidement qu'en 10 minutes. Je vais arriver à le trouver en 8 minutes, par exemple. Et si je rajoute encore des machines, je vais pouvoir les trouver en 6 minutes, et ainsi de suite. Et on ne veut pas qu'il y ait ça qui arrive. On veut qu'à chaque fois, le problème soit résolu une fois toutes les 10 minutes. C'est ça, en fait, quel est le lien entre la génération de la monnaie et le fait de résoudre, de valider la transaction. Plus on peut valider les transactions en un temps limité, Dieu sait qu'on le résout. Alors non, parce que... Même si on valide, admettons qu'actuellement, on valide 2000 transactions en 10 minutes. Ouais. Si on les valide, donc on est payé 12,5 Bitcoin, ouais. Bitcoin, éventuellement. C'est ça, oui. Donc ça veut dire que c'est 12,5 Bitcoin pour les 2000 transactions. C'est ça, à peu près, oui. Donc si on arrive à en faire beaucoup plus, on sera juste payé moins par... Non, parce que à chaque fois que vous allez résoudre le problème en question et que vous allez gagner la loterie, vous allez gagner 12 bitcoins et demi. Point. L'idée, c'est que on veut que le système de création monétaire soit régulé. On veut qu'il soit régulé par cet algorithme qui dit le tout dernier bitcoin sera émis en 2140 et on sait exactement à n'importe quelle date combien de bitcoins seront en existence. Si on permettait aux gens d'augmenter de la puissance de calcul, eh bien, au bout d'un moment, on sortirait un nouveau bloc, on appelle ça créer un nouveau bloc. On réussirait à créer un nouveau bloc et on rémunérerait de 12 bitcoins et demi, mettons toutes les 2 minutes. Eh bien, à ce rythme-là, on arrivera à créer tous les bitcoins au bout de 20 ans. Et on ne veut pas ça. Non, ce n'est pas lié au nombre de transactions. C'est vraiment le protocole. C'est tout simplement, le protocole annonce, on veut, on souhaite qu'il y ait un nouveau bloc, donc une nouvelle création monétaire toutes les 10 minutes. Okay. Le nombre de transactions qui est équivalent n'influe absolument pas. Donc à quoi ça sert d'augmenter la difficulté de quelque chose? Parce que la difficulté de trouver la fameuse loterie est proportionnelle à la puissance de calcul totale. D'accord? Pour qu'on retombe... Pardon? Rien à voir. Ça pourrait être une seule transaction, ça n'aurait aucune importance. D'accord? Ce n'est pas du tout en fonction du nombre de transactions. C'est juste, on dit, on prend toutes les transactions en attente, qu'il y en ait une, qu'il y en ait 2000, qu'il y en ait 1 million, et on fait tourner une sorte de loterie, et au bout d'un moment, quelqu'un va gagner cette loterie. D'accord? Okay. Et donc, on veut que cette loterie soit gagnée une fois toutes les 10 minutes. Et comme ça dépend de la puissance de calcul, eh bien, on va adapter la difficulté du problème à résoudre en fonction de la puissance de calcul disponible pour retomber en moyenne toutes les 10 minutes. Voilà comment ça fonctionne. Et comment on est au courant de toute la puissance de calcul disponible? On ne peut que l'estimer.
on ne peut que l'estimer. Alors, l'idée, c'est tout simplement, le réseau va regarder, tiens, là, on a trouvé un bloc en 8 minutes. Tiens, là, on a mis 25 minutes à trouver un nouveau bloc, et ainsi de suite. Et on regarde, toutes les deux semaines, on regarde en moyenne, sur les deux dernières semaines, à combien est-ce qu'on a trouvé le bloc. Si jamais c'est inférieur à 10 minutes, on adapte automatiquement la difficulté pour qu'on retombe à nouveau sur 10 minutes. Si jamais il y avait des mineurs qui abandonnaient et qui, dont la boîte coulait, eh bien là, la difficulté redescendrait parce qu'on aurait trouvé des blocs une fois toutes les 12, voire toutes les 14 minutes. Et donc, automatiquement, le réseau réadapterait la difficulté pour qu'on retombe sur 10 minutes. Quand on dit 11, c'est le protocole. Ah, le protocole. Ah non, non, c'est pas une décision, c'est d'accord. Le protocole informatique lui-même. Vous aviez la banque de France qui avait produit un document où il disait c'est très très mal, attention, méfiez-vous, on ne sait jamais sur quoi ça repose, etc. etc. Et 6 mois plus tard, j'avais des gens de la Banque de France qui étaient venus me voir en me disant « Waouh, mais c'est formidable, on veut absolument commencer à regarder comment ça marche, etc. etc. » Mais très honnêtement, ça les préoccupe pas du tout parce que eux, ils considèrent que on est sous un système avec de l'euro et donc c'est une crypto-monnaie, c'est quelque chose. La seule inquiétude qu'il y a autour des gouvernements, c'est est-ce que ce truc va être utilisé pour faire du blanchiment. Okay. Et dans la mesure où la plupart des professionnels à l'heure actuelle vont demander les pièces d'identité lorsque vous venez faire des transactions, ce problème il se pose absolument pas. Les banques prennent même des commissions sur les virements. Qui, pardon? Les banques se rémunèrent aussi sur les virements. C'est ça, oui. Ah mais à l'heure actuelle les banques ça les préoccupe pas parce que encore une fois comme je vous ai dit tout à l'heure les banques ça les intéresse pas de vendre par exemple des pièces d'or même s'ils touchaient des commissions sur ces ventes là c'est relativement minime par rapport à l'argent qu'ils peuvent gagner par exemple sur les produits qu'ils vous vendent les OPCVM ou sur les prêts qu'ils vous proposent. C'est vraiment minime par rapport à ce qu'ils peuvent gagner par ailleurs. Moi j'ai une question, je voulais revenir sur les mineurs. Oui. Sur l'aspect métier. Oui. Oui. Les mineurs, c'est un peu plus qu'une entreprise qui est reconnue comme une personne. Oui. Donc je voulais savoir en fait, comment on devient mineur, comment je suis validé en tant que mineur. Et alors, je sais bien qu'il y a une question, mais j'en ai une deuxième, c'est en France, est-ce qu'il y en a beaucoup de mineurs? Alors. Ok. Alors, pour devenir mineur, vous n'avez... Alors, depuis le début, je vous parle d'un système complètement décentralisé. Donc, il n'y a aucun changement. Personne, vous n'avez pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour devenir un acteur du minage. Comme vous n'avez pas besoin de demander la permission pour avoir une copie de la blockchain. Comme vous n'avez pas besoin de permission pour créer une maison du Bitcoin ou quoi que ce soit d'autre. Donc, comme on est sur un système complètement décentralisé, n'importe qui peut se déclarer mineur du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour être mineur? Je dirais en général de quelques millions d'euros. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est vraiment des opérations sur des sales serveurs. Donc, évidemment, il faut des connaissances en informatique, il faut des gens qui soient suffisamment costauds avec des connaissances réseau et des connaissances système. Voilà. Par contre, pour miner de l'Ethereum, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut encore relativement facilement le faire avec des petites installations posées dans un coin. Je vous encouragerais à chercher minage Ethereum sur Internet. Vous verrez des cages en bois avec du matériel informatique posé dessus qui permettent malgré tout de gagner des fonds en faisant du minage d'Ethereum. Pas à ma connaissance. Il y a un peu de gens qui font du minage d'Ethereum et de quelques autres crypto-monnaies. Mais comme je vous ai dit, c'est absolument mineur. Je ne crois pas qu'il y ait d'entreprise établie à l'heure actuelle suffisamment importante pour être notable. C'est vraiment des choses où les gens ils posent ça dans une cave, ils font tourner ça et ils gagnent quelques centaines d'euros par mois. Monsieur. Moi j'ai une question. Vous avez parlé effectivement de fermes, de calculs, de problèmes de consommation énergétique, de refroidissement. Imaginons que les blockchains se répandent pour x, y raisons, pour plein d'usages.
Est-ce qu'on n'a pas quand même un système très consommateur d'énergie s'il se généralisait pour plein d'usages? Est-ce qu'on n'aurait pas tellement de... Absolument. Énergétique pure et oui, absolument. Pas très Bien sûr, bien sûr. Non, je suis tout à fait d'accord. Le fait est qu'à l'heure actuelle, le minage Bitcoin, on estime en gros que ça consomme l'équivalent d'une centrale nucléaire sur l'échelle de la planète. Ouais. Pour en plus résoudre des problèmes qui ne servent à rien. Ouais, bah, c'est oui. Ah non, ça sert juste à rien. Oui, c'est pas très. Oui, sur ce plan-là, c'est pas très écolo. Non, voilà. C'est sûr. Donc, d'où l'intérêt de ce que posait comme question monsieur tout à l'heure, serait le fait d'avoir des systèmes de minage relativement différents pour adapter ça et pour réclamer beaucoup moins de puissance de calcul. Notez quand même un point intéressant, c'est que la sécurité des transactions dans le monde du Bitcoin est directement assurée par la difficulté du minage. Oui, tout à fait. C'est un peu un système marteau-pilon. Bien sûr. Je vais juste préciser pour tout le monde, c'est le fait que c'est parce que on est obligé d'utiliser une puissance de calcul énorme sur une dizaine de minutes avec des machines qui tournent à fond, qu'on peut assurer qu'une fois que les transactions ont été validées, plus personne ne pourra revenir dessus. Et ça, c'est intéressant. C'est parce que j'utilise ce système de minage qui est certes extrêmement consommateur en énergie que je garantis que plus jamais personne ne pourra modifier les transactions que je viens de valider. Ça, c'est essentiel. Madame. Cette fois-ci, c'est une question sur la blockchain et sur les applications. On parle beaucoup d'applications blockchain, mais blockchain, il y en a beaucoup qui font part en théorie, puis il y en a beaucoup qui ferment. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée du nombre d'applications, de projets en France ? Ah, je ne saurais pas vous dire. Il y a des startups qui apparaissent très très fréquemment. En France, il y a vraiment des acteurs. Je vous citais deux acteurs qui sont vraiment intéressants. C'est Ledgys, L-E-D-G-Y-I-S, qui font pas mal de choses intéressantes autour de la blockchain. Et Stratum, S-T-R-A-M-U-M-N. Donc c'est deux boîtes extrêmement innovantes qui travaillent beaucoup, on travaille un peu avec eux quelquefois, et qui s'intéressent beaucoup à la blockchain et à ce genre de problématiques. Et ils font quoi ? De la signature de documents, de la validation des smart contracts, de la validation de diplômes, des choses comme ça. Et Ledger. Alors nous Ledger, on est vraiment sur une optique complètement transversale par rapport à tous ces projets. Puisque nous, notre objectif, c'est vraiment la conservation des bitcoins, des devices, des ethers ou des smart contracts de façon sécurisée. Donc nos produits peuvent être utilisés à peu près sur tout ce genre d'applications de façon transverse. Et nouveau, on revient sur les applications. Alors, on a beaucoup parlé de Mazos. Aujourd'hui, c'est aux États-Unis, je crois. Ouais. Une plateforme de voiture, de convoiture immobilière, Mazos. Azus, ah oui, d'accord. Et on dit que ça n'existe. C'était pas en Israël. C'était en Israël. Et donc on dit maintenant que c'est fermé, que ça n'existe pas. Oui, parce que. Ah oui, mais vous savez, on est sur quelque chose où c'est un marché extrêmement émergent. Donc vous avez énormément d'applications, vous avez énormément d'idées qui apparaissent au quotidien et qui malheureusement ne se réaliseront jamais. Bien sûr. L'Azus, en fait, ça pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher parce que vous ne pouvez pas faire confiance au GPS de votre téléphone pour vous dire où vous êtes. Je pourrais vous donner les détails éventuellement, mais on avait réfléchi à la question en interne quand on avait découvert leur projet et on s'était vraiment dit, mais ça ne pourra jamais marcher. C'est quoi exactement ? C'était... je vous fais du covoiturage. Ouais. Et en faisant 30 km, je gagne 40 Azus, par exemple, que ensuite je pourrais dépenser en moi-même étant client de covoiturage, etc. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas faire confiance à un GPS d'un téléphone. Ouais, c'est pas justement, question entreprise. Est-ce que vous avez un retour d'expérience en France ou dans le monde sur les ventures capitales qui s'y intéressent, la solidité de ces entreprises? Est-ce que c'est très précaire ou est-ce qu'il y a vraiment des choses solides qui commencent à apparaître? Alors, nous, par exemple, Ledger, oui, par exemple, oui. On est relativement solide. On discute avec des investisseurs, on discute avec des industriels. Vous êtes sérieux? On est absolument, bien sûr. On fait partie de l'initiative blockchain de la Caisse des dépôts.
Donc on est aujourd'hui capable de parler à des banques, à des assurances, de leur montrer nos produits et de leur dire, regardez, c'est un produit relativement solide qui peut répondre à tout un tas de besoins de stockage de clés privées pour n'importe quelle application blockchain. Je reviens sur les smart contracts. Alors à l'intérieur de Bitcoin, tout est bien sécurisé. Imaginez, on implémente un smart contract de paris sportifs, comme on disait tout à l'heure. Comment on implémente de manière sécurisée que telle équipe a gagné ? Ah, excellente question. On appelle ça un oracle. D'accord ? Donc j'ai un oracle. Là, du coup, j'ai. Alors, il y a plein de façons de faire. La première façon, c'est de dire, eh ben, je prends un tiers de confiance. Ce tiers de confiance, c'est quelqu'un en qui, par exemple, tous ces parieurs qui vont jouer sur ce système auront confiance. Ok ? Donc ça pourrait, par exemple, être un notaire. Et ce notaire, il serait capable de publier quand le match est fini que telle équipe a gagné. Et on a terminé et tout le monde fait confiance et donc le smart contract se réalise. Même le smart contract peut même aller lire la signature du notaire pour dire hop, le contrat est réalisé, je fais les paiements. Okay. On peut également faire un oracle décentralisé et dire par exemple, bah, ce qu'on va faire, c'est que le lendemain du match, on aura un robot qui va aller sur Google News et qui va repérer tous les articles qui parlent du match et qui va faire de l'analyse sémantique pour déterminer quelle équipe a gagné. Sur 20 articles différents, on va pouvoir déterminer que oui, on saura qui a gagné. Pour des choses autres, ça va être plus difficile. Par exemple, je pourrais très bien imaginer un smart contract pour gérer un testament. Donc la personne décède, le testament s'exécute et ses ayants droit reçoivent des bitcoins, des ethers ou ce que je veux. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus dur parce que je ne peux pas avoir dans ce cas-là une validation décentralisée. Là, du coup, il me faudra obligatoirement, par exemple, un notaire, quelqu'un qui, lui, prendra la décision et écrira sur la blockchain que tel l'événement s'est produit. Oui. Encore des nouveaux métiers à inventer. Je crois qu'on va arriver bientôt à 14h. Je vais prendre une dernière question, si vous voulez bien. Je vous ai épuisé, Marco. Qu'est-ce qui manque en France pour que Bitcoin se développe ? De la confiance. Le fait est que, alors, il existe une base de données qui montre, parce que je vous ai parlé tout à l'heure, il y a à peu près une centaine de milliers de sites internet qui acceptent le Bitcoin. Vous avez aussi des lieux physiques. Alors pour vous donner un exemple, la brasserie qui est juste en face de chez nous, ils acceptent le Bitcoin pour leur consommation. Alors je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des commerçants parmi vous ? Personne ? Bon. Pour un commerçant, c'est absolument trivial d'accepter le Bitcoin. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'installer une application sur votre smartphone. Et quand vous avez un client qui arrive et qui dit « Bonjour, je voudrais payer ma consommation en Bitcoin », vous tapez le montant en euros sur le smartphone, vous lui présentez un QR code et la personne, elle flash le QR code et vous avez votre paiement. Le marchand. Le commerçant, il présente le QR code avec son téléphone, le client arrive, flash le QR code avec sa propre application et le paiement est réalisé. Tout simplement. Et pire que ça, le marchand, il peut recevoir directement des euros sur son compte en banque tout naturellement avec une commission qui est nulle. Donc vraiment, il y a zéro barrière pour l'acceptation pour un commerçant aujourd'hui qui pourrait accepter le Bitcoin. C'est juste une question de volonté et d'acceptation. Alors, et si on regarde en Europe, les lieux où on peut physiquement payer en Bitcoin, vous avez une carte mondiale sur un site qui s'appelle CoinMap que vous pourrez consulter. Et vous verrez que c'est effrayant à quel point il y a très peu d'endroits en France alors qu'on en trouve plein déjà en Allemagne et dans le Benelux et dans le nord de l'Italie par exemple. Et bien entendu aux États-Unis. Donc il n'y a pas assez de confiance à l'heure actuelle. Et pourtant les barrières elles sont extrêmement minimes. Vous avez dit que le commerçant recevait son argent en euros ? Oui, bien sûr. Sans commission ? Sans commission. Il n'y a pas de conversion Bitcoin euros ? Si. Le service qui lui permet d'effectuer la transaction va lui faire le transfert automatiquement et gratuitement. Je vais vous citer... C'est celui qui paye une commission en fait. C'est l'émetteur. Alors l'émetteur, il paye une commission au réseau Bitcoin. Mais le service en question, il est complètement gratuit. Je vais vous citer le nom d'un service comme ça qui s'appelle BitPay, B-I-T-P-A-Y. C'est un service américain, commission de 0 jusqu'à 1 000 $ de transaction par jour, je crois. Donc, ils ne prennent pas de frais de conversion ?
Rien du tout. D'accord. Rien du tout. Et ils font les euros ? Et ils font les euros, oui. La brasserie en face de chez nous, et ils passent par BitPay. BitPay, ça baisse sur quelques changes ? Je crois que c'est Bitstamp, une plateforme américaine. D'accord. Mais le cours, il est sensiblement le même sur toutes les plateformes. Est-ce qu'il y a une complexité légale en France pour créer une plateforme d'achat ? Alors, il y a une complexité si vous gardez des avoirs de vos clients. D'accord ? Si vous faites juste du change, et nous ici on ne fait que du change, vous arrivez avec des euros, vous repartez avec des bitcoins, vous arrivez avec des bitcoins, vous repartez avec des euros. Par contre, si je vous dis donnez-moi vos euros, je les garde, ou donnez-moi vos bitcoins et je les garde, c'est toute une autre paire de manches. Sur les portefeuilles en ligne, c'est compliqué. Ça va être relativement plus compliqué. Disons que la responsabilité de garder des avoirs d'un utilisateur, d'un client, est bien plus forte que juste la responsabilité de faire du change immédiat. Bien entendu. Alors, il y a une autorité qui s'appelle l'ACPR. Si jamais vous vouliez vous lancer dans ce genre de marché, je vous conseillerais d'aller les voir très rapidement. À part beaucoup acheter du coup les bitcoins en France, parce que je recommande les marques. Alors, vous avez des plateformes en ligne. On peut citer la plateforme principale en France, c'est une plateforme qui s'appelle Paymium. Donc P-A-Y-M-I-U-M. Alors, faire attention, c'est Paymium, c'est des gens qui sont extrêmement sérieux. Mais par contre, c'est des plateformes qui sont relativement complexes à utiliser. Est-ce que vous connaissez par exemple le Forex ? Donc le Forex, c'est le marché des devises. Donc c'est des plateformes où vous pouvez acheter de l'euro contre du dollar, contre du franc suisse, etc. C'est des plateformes qui sont relativement complexes à utiliser. Et les plateformes d'échange sur Internet pour le Bitcoin ne font pas exception à la règle. Elles sont assez difficiles. Nous, l'idée ici, à la maison du Bitcoin, c'est vraiment de pouvoir permettre aux gens de faire des transactions extrêmement simplement. Juste, par exemple, en arrivant juste avec 50 euros en cash, de pouvoir faire cet échange. Vous pouvez acheter... Alors, le montant minimum chez nous, c'est de 10 euros. Sauf aujourd'hui, où pour notre séance d'introduction, on vous fait juste des échanges à 1 ou 2 euros si vous le souhaitez. Et le montant maximum chez nous, donc c'est 1000 euros en cash par jour et par personne. D'accord. Par contre, en carte bleue, si votre carte bleue supporte 20 000 euros, on vous fait une transaction de 20 000 euros. C'est la responsabilité de votre banque. Alors, je vais vous remercier d'être venu aujourd'hui. Comme je vous disais, maintenant je vais vous proposer juste deux choses en quelques minutes. La première chose, c'est pour les gens qui le souhaitent, mon collègue qui est là-bas au fond en noir va vous proposer de vous installer un client Bitcoin sur votre téléphone mobile et de vous échanger par exemple une pièce de 1 euro ou une pièce de 2 euros. Comme ça, vous pouvez repartir avec un portefeuille avec quelques millièmes de Bitcoin. Et moi-même, je serai à la table du fond et je vais pouvoir vous montrer, pour les gens qui le souhaitent aussi, le portefeuille Ledger Nano S, qui est notre portefeuille sécurisé qui permet de stocker vos Bitcoins en toute sécurité. Je vous remercie. Merci.